Depuis la version 18, DaVinci a modifié la façon de générer et d'utiliser des proxys. Nous allons donc voir ça en détail. Pour commencer, un proxy, c'est quoi De plus en plus souvent, les tournages se font en 4K et en utilisant des codecs avec un excellent rendu des couleurs, mais cela donne des fichiers vidéo très lourds et gourmands en ressources. Par exemple, ici, j'ai une série de clips tournés en 4K et en 4 de 2 10 bits. Et si je regarde dans mon dossier de rush, ici pour 4 secondes, j'ai un fichier qui pèse près de 290 mégas. Et là, pour à peine plus d'une minute, j'ai plus de 3,5 gigas. Autant dire que pour le montage, si on n'a pas une machine haut de gamme, la lecture à 25 images seconde sera quasi impossible. Et c'est compliqué de monter correctement si on ne peut pas vérifier les raccords à vitesse normale. C'est pour cette raison qu'on est amené à utiliser des proxys. Un proxy, c'est donc un fichier vidéo qui sera le même que votre rush, mais avec une définition et un codec de moins bonne qualité. Ça donnera un fichier moins lourd que n'importe quelle machine pourra lire sans problème à la bonne vitesse. Et bien évidemment, ces fichiers ne serviront que pour le montage. Pour l'étalonnage et l'export, on repasse sur les rushs originaux afin de bénéficier de toute leur qualité. Désormais, dans DaVinci, le gestionnaire de proxy est une application indépendante qui est installée automatiquement en même temps que le logiciel. Elle s'appelle Proxy Generator pour la version payante et Proxy Generator Lite pour la version gratuite. Il y a quelques différences, mais le principe est le même. Pour lancer l'application, sur PC, vous allez dans la barre de recherche de Windows et vous tapez donc Proxy Generator, puis vous la lancez. Sur Mac, ça se fera depuis le Finder dans le menu Application. Et ça peut se faire même si DaVinci n'est pas ouvert. Je ferme cette fenêtre pour l'instant. Ici, on a le format de ces proxies suivant votre machine ou bien si vous êtes sur Mac ou PC, il peut y avoir d'autres formats disponibles, mais tous sont au maximum en full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels et ici j'ai du 420 8 bits. Peu importe si vos rushs sont en 4K puisque encore une fois ces proxies ne sont utilisés qu'au moment de la phase du montage. Ensuite, vous avez cette fenêtre Ici, vous indiquez tous les dossiers où vous avez des rushs qui nécessitent de générer un proxy. Et tant que le proxy générateur est ouvert et la surveillance active, il va vérifier dans ces dossiers s'il y a des fichiers vidéo et il va transcoder tout ce qu'il trouvera. Je sélectionne donc mon dossier avec mes rushs. Et tout de suite, je vois que si mes rushs pesaient un peu plus de 23 Go au total, les proxys, eux, ne pèseront que 380 Mo à peine. Donc, en plus de pouvoir les lire sans problème à 25 images secondes, si j'ai besoin d'envoyer ces vidéos à une autre personne pour le montage ou si je dois les transférer sur un autre ordinateur pour poursuivre le montage, ça se fera beaucoup plus rapidement. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur Début pour lancer l'opération. J'ai un dossier proxy qui a été créé automatiquement dans mon dossier rush avec tous mes clips réencodés. Et vous pouvez même faire ça au moment où vous importez vos rushs sur l'ordinateur depuis la carte SD, parce que le logiciel surveillant les dossiers, il va repérer et réencoder les clips au fur et à mesure qu'ils sont importés. Par exemple, si je rajoute cet autre rush à mon dossier, au bout d'un moment, le proxy générateur va l'identifier et il va créer un nouveau proxy. Ici, le proxy a bien été ajouté automatiquement. Maintenant, je peux arrêter la surveillance des dossiers. Pour finir, ici, vous pouvez supprimer des dossiers à surveiller, afficher ces dossiers dans l'explorateur, supprimer les proxys, on y reviendra plus tard, ou les exporter. Dans ce cas, une copie du dossier avec vos proxys sera créée pour être envoyée sur un disque externe ou le cloud, par exemple. Mais bon, ça peut aussi se faire manuellement depuis l'explorateur sur Windows ou le Finder sur Mac. Je relance maintenant DaVinci. C'est toujours le même projet, je n'ai rien modifié, mais vous voyez que l'icône des clips n'est plus la même dans ma bibliothèque de médias et ma timeline. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut aller dans le menu Lecture, et ici vous avez Gestion des proxys. Alors on peut les désactiver, ou bien demander à DaVinci d'utiliser les rushs originaux, et c'est ce qu'il faut faire quand le montage est terminé que vous n'avez plus besoin des proxys et que vous voulez passer à l'étalonnage ou à l'export. Si je choisis cette option, on voit que j'ai retrouvé l'icône normale dans ma fenêtre de médias et dans ma timeline. Je suis à nouveau avec les clips originaux. Mais tant que je suis dans la phase montage, je dis au logiciel de préférer les proxys quand ils existent. Maintenant, pour vous montrer, je déplace ce rush original vers un autre dossier. Désormais, j'ai cette barre violette au-dessus de mon clip. Cela m'indique que c'est un proxy mais que le Rush original n'est plus disponible. Si je vais sur un autre ordinateur pour continuer le montage et que je n'ai transféré que mes proxys pour ne pas m'encombrer avec les Rushs, j'aurai donc cette barre violette sur tous les clips. Et si je replace le Rush dans le bon dossier, la barre violette a disparu au-dessus de mon proxy puisque le logiciel a retrouvé le Rush original et il sera à nouveau disponible au moment de l'étalonnage. Pour terminer, je vous montre comment le proxy générateur offre une forme de sécurité en cas de catastrophe. Je supprime ce rush original, ce qui est bien évidemment à toujours éviter. Et dans le proxy générateur, je supprime mes proxys. Si je retourne dans mon dossier rush, j'ai toujours un dossier proxy. Et si je l'ouvre, le proxy correspondant au rush que j'ai supprimé est toujours là. Lui n'a pas été supprimé. Parce que le rush original n'a pas été retrouvé, le logiciel a préféré conserver ce proxy au cas où ça soit la seule version du plan qui existe encore. Pour les autres, comme le rush original existe toujours, il a pu supprimer les proxys correspondants sans problème. C'est donc une sécurité si par malheur des rushs étaient effacés. Certes, la qualité du proxy est inférieure, mais il est préférable d'avoir un clip de basse qualité plutôt que pas de clip du tout. Alors au final, créer des proxys ça rajoute une étape, et ça peut même prendre un certain temps en fonction de la quantité de rush que vous avez mais ça permet ensuite de monter tranquillement dans de bonnes conditions.